la version Louis Segond, là où il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Alors je vais lire dans la version Parole Vivante. La Bible dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. Il est écrit, personne ne doit... 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Sorry. Ok. Notre visage à nous tous est sans voile. Et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. Alléluia. Amen. Nous pouvons regagner nos places. Merci beaucoup. Rebonjour peuple de Dieu et bienvenue au centre missionnaire Lumière des Nations, une église qui a une vision, une mission et des valeurs, une église où l'on retrouve l'amour et la présence de Dieu afin d'éclairer les nations par l'action du Saint-Esprit. Nous vous souhaitons encore bienvenue. Sentez-vous à l'aise. Si c'est la première fois pour vous d'être ici parmi nous, d'entre les jeux, nous voulons vous dire tout simplement que vous êtes dans la maison de votre Père. Alléluia. Amen. La personne qui est à votre gauche ou à votre droite, c'est votre frère, c'est votre soeur. Donc sentez-vous à l'aise. Soyez vraiment, prenez vos aises. Il y a de la joie dans la maison de notre Père. Et vous êtes dans la maison de votre Père. Vous avez le droit d'être dans la joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc j'aimerais remercier le Seigneur pour cette opportunité encore. En toute simplicité, j'aimerais dire que c'est une grâce qui nous a été faite par Dieu de nous donner son merveilleux serviteur. Parce qu'il n'est que le serviteur de Dieu, il n'est pas notre serviteur à nous. Ce merveilleux serviteur de Dieu, de qui Dieu est en train de nous aiguiser. J'ai cité l'évangéliste Sonny Paka, notre papa. J'allais dire mon papa, mais bon. Je ne vais pas le personnaliser pour moi-même. Je serai égoïste. Amen. Alléluia. Amen. Mais je reconnais seulement la grâce que Dieu m'a faite. Il nous a fait à nous tous d'être enseignés, passer par l'école de cet homme. Alléluia. Amen. Comme d'autres pouvaient passer par l'école de Gamaliel, d'autres pouvaient passer par l'école de Paul. Aujourd'hui, Dieu nous fait passer par son école et nous sommes reconnaissants envers Dieu pour sa vie. Est-ce que toute l'église peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? Alléluia. Amen. Si nous sommes là non, aussi également, c'est parce qu'il y a un conseil de l'église. Et nous remercions les seigneurs pour leur vie. Et pour les coordonnateurs, les chargés, les ouvriers, tous les ARD. Et pour nous tous qui sommes là. Même pour vous qui êtes venus pour la première fois. Nous remercions les seigneurs pour votre vie. Alléluia. Amen. Depuis un certain temps, le Seigneur conduisant son serviteur, nous sommes en train de parler d'un thème qui est très important pour la phase où nous sommes arrivés. Dieu a conduit son serviteur à nous donner des lignes de conduite par rapport à cette décennie qui arrive, ou cette décennie que nous avons déjà entamée, c'est-à-dire dans les 10 ans que nous sommes en train d'entamer là, 9, 10 ans.
Il y a une vision qu'on est en train de vouloir. On s'inscrit dans une vision qui est EDM. EDM qui veut dire évangélisation, discipulat et mission. Alors, pour être celui qui travaille dans EDM, Dieu veut que nous soyons d'abord transformés. Parce que la meilleure manière de transformer les autres, c'est d'abord être transformé soi-même. Alléluia. Amen. Un bon leader, ce n'est pas celui qui dit aux autres ce qu'il doit faire. Mais un bon leader, c'est celui qui fait ce que les autres doivent faire. En le voyant faire, les autres peuvent faire aussi. Et combien même qu'il reviendra vers les autres pour leur dire de faire, ils vont le faire parce qu'ils l'ont vu faire. Alléluia. D'où, dans cette phase où nous sommes arrivés, le plus important pour Dieu, ce n'est pas seulement d'aller transformer les autres. Pour Dieu, ce qu'il attend plus de nous, c'est que nous-mêmes nous soyons d'abord transformés. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a des moments ici dans la salle. Vous conviendrez avec moi qu'avant d'offrir les bananes, il faut se rassurer qu'on a bien chauffé la poêle. Et puis l'huile est assez chaude. Sinon, si ce n'est pas le cas, la banane sera trempée dans l'huile. C'est pourquoi vous voyez d'autres bananes, quand tu les manges, il y a trop d'huile. Parce que l'huile n'était pas assez chaude. Le plus important, ce n'est pas seulement de frire la banane. Le plus important, c'est d'abord la préparation avant la friture. Alléluia. Amen. La cuisinière ou le cuisinier, il doit d'abord se rassurer que sa poêle a été bien chauffée. Et l'huile est vraiment bien chauffée à la bonne température. Alléluia. Amen. Et quand l'huile est bien chauffée, la banane ne fera pas plus. On n'a pas besoin de plus de temps pour frire la banane. Ça se passe au maximum une minute. Si la banane est vraiment mûre, vous mettez dans l'huile une minute, vous sortez. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'une bonne préparation facilite le travail. Celui qui est transformé en amont, il aura un background, comme on dit en anglais, un bagage. C'est comme s'il y a je ne dirais pas vraiment expérience, mais c'est comme si tu as un dépôt qui certifie ce que tu dis. Mais si on n'a pas encore fait ce travail là en amont, on sera comme les cymbales qui retentissent et qui font du bruit. On va s'étonner, on évangélise, on fait beaucoup de choses, mais les gens ne sont pas transformés. Alors, l'objectif de Dieu, c'est de nous transformer nous d'abord. L'objectif de Dieu, c'est que nous soyons très bien préparés. C'est pourquoi Jésus pouvait faire 30 ans dans la préparation et 3 ans de ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'âge de 12 ans, Jésus étonnait déjà les gens dans le temple. Mais il n'était qu'un bon lecteur. Alléluia. Amen. Il y avait déjà le dépôt en lui. Mais il fallait que Dieu les travaille encore. De 12 à 30 ans, il fallait encore 18 ans pour Dieu de les travailler. Les gens étaient étonnés dans les temples par sa diction, sa façon de parler, sa façon de lire. Mais ça ne s'arrêtait que là. Alléluia. Amen. Mais le Jésus qui est sorti du baptême, après sa préparation, la fin de sa préparation, c'était un Jésus différent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La transformation, c'est un processus. La transformation, c'est pas quelque chose qui se fait à coup de baguette magique et puis ça se passe. Les mamans, je vais m'appuyer beaucoup sur vous. Parce que chaque jour dans votre vie, vous faites des transformations. Du matin au soir. Ça commence par le maquillage. Alléluia. Amen. Je n'ai pas menti. Mais je vous aime beaucoup. J'ai pas menti. Ça commence par là.
Directement, on a l'impression que c'est une autre personne qui est sortie de la maison. Donc, ton avant avant la douche et ton après après le maquillage, c'est comme si on avait face à une personne 2.0, donc modifiée. Alléluia. Amen. Mais c'est là, une personne ne va pas me dire que dès que tu commences devant le miroir, tu commences directement par mettre les crayons. Il faut d'abord mettre la première couche. C'est tout un processus. Je connais. Il faut d'abord mettre la première couche. La nappe d'abord. Il faut attendre que ça sèche un peu. Alléluia. Amen. Bon, on va laisser cette partie. On va passer à l'autre. Alléluia. Amen. Après cela, le maman toujours vous emmenez souvent quand vous faites la cuisine. Personne ne peut venir du marché et prendre directement les poissons qu'elle a acheté et mettre sur la table. Ça passe par un processus. C'est un processus, et dans ce processus-là, chaque étape est importante. Si tu as oublié d'enlever les saletés, les entrailles du poisson, tu peux faire la meilleure sauce du monde. Ta nourriture sera immangeable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 19, Dieu dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mamans, je vous ai Alléluia. Amen. Dieu dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Il lui dit, va acheter la cruche. Dans la maison du potier. Le verset 1, Jérémie 19, verset 1. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu n'avait pas envoyé Jérémie aller acheter la cruche au marché? À cette époque-là, comme aujourd'hui, les gens vont chez les artisans, ils achètent les histoires et ils font les revendeurs. Quand vous allez au marché du plateau, vous verrez des bien-aimés qui sont là. Ce ne sont pas forcément eux qui sont les artisans. Donc Dieu pouvait demander à Jérémie d'aller au marché et acheter la cruche. Mais c'était à dessein quand il lui a dit va dans la maison du potier. L'objectif de Dieu, ce n'était pas d'abord la cruche. L'objectif de Dieu, c'était que Jérémie devait voir comment le potier travaille. Quels sont les préalables de la transformation? Parce que dans la transformation, le potier prend l'argile. Il enlève les tessons, il enlève tout ce qui est des débris. Il y a 7 phases pour préparer l'argile. Pour faire un pot, il faut 7 phases. La première phase, c'est d'abord le recueillement. Le potier doit aller chercher l'argile. On n'utilise pas n'importe quelle argile. Quand le potier prend l'argile, deuxième phase, il doit enlever les tessons, les sachets. Alléluia. La troisième phase, c'est l'abattage. Il va commencer à battre l'argile tellement fort que tous les poches d'air qui sont à l'intérieur doivent sortir, de sorte à rendre l'argile homogène. En fait, que l'argile puisse avoir la même forme partout. Qu'il n'y ait plus de fuites d'air à l'intérieur. Parce que si on vous fabrique un pot avec l'argile qui a des fuites d'air, ça va casser. Les fuites d'air là va faire des fissures. Regardez dans les maisons, si vous voyez les fissures la fissure dans un mur, cela veut dire qu'on n'a pas bien colmaté à l'intérieur. Il y a des poches d'air qui sont rentrées. On ne peut pas emprisonner de l'air. L'air, vous pouvez l'emprisonner pendant 100 ans, il trouvera un moyen de sortir. L'air, c'est comme l'eau. On ne l'emprisonne pas. Il trouvera un chemin. Quel que soit le temps qu'il pouvait prendre. Donc il va battre l'argile. Quand il finit de battre l'argile, il va commencer maintenant à couper l'argile.
pour pouvoir donner des formes. Après cela, il va commencer à modeler. Il finit de modeler. Il fait rentrer l'argile dans le four. Après le four, quand l'argile va sortir, l'argile sort toujours avec des lueurs de feu. C'est tout noir. Si on te vend un pot qui vient de sortir du four, tu ne vas pas acheter. Il va commencer à prendre son pinceau pour nettoyer. Après le nettoyage, il prend la couleur, il prend le pinceau pour décorer. Quand tu finis de décorer, il remet encore dans le four. Mais cette fois-là, avec une température un peu raisonnable, pour que le four, les pots puissent avoir la forme finale. Tous ces processus-là pour transformer l'argile en pot. Dans l'idée de Dieu, il fallait que Jérémie voie ce qui se passe. Alléluia. Amen. Mais pour que le potier arrive là, il y a des outils que le potier utilise. Ciseaux, pinceaux, la tour du potier, le four, les cisailles, tous ces trucs, les ciseaux pour couper, même ses mains. Le plus important même de tous les utiles d'un potier, c'est les mains du potier. Alléluia. Amen. Tout ça pour dire quoi? Aujourd'hui nous allons voir les outils de la transformation. Quels sont les outils que Dieu peut utiliser ou utilise pour nous transformer? Alléluia. Amen. De même que la transformation en Christ, recueille des outils appropriés qui nous permettront d'être transformés en la même image que lui. Si le potier peut transformer l'argile avec des outils, pour Christ aussi, il faut des outils pour que nous arrivions à la même image que lui. Corinthiens dit que nous regardons avec le visage découvert, comme dans un miroir. Pourquoi nous regardons dans un miroir? Qui est ce miroir? Ce miroir, c'est Jésus que nous regardons, parce qu'en lui nous avons l'image de ce que nous devons devenir. Alléluia. Amen. Donc cette transformation nécessite les outils. Alors quels sont ces outils? Il y en a beaucoup. Alléluia. Amen. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons prendre que toi. Donc il y a beaucoup d'outils. Nous avons la parole de Dieu, le Saint-Esprit, l'homme de Dieu, le frère et sœur, les persécutions et les épreuves, la communion fraternelle, les cultes. Donc on a beaucoup d'outils. Mais nous, ce matin, nous n'allons en prendre que trois. Nous allons prendre les trois premiers, c'est-à-dire la parole de Dieu, le Saint-Esprit et l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le premier outil, la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jean, les chapitres 1, les versets 1 à 4. Jean chapitre 1, 1 à 4. Alléluia. Amen. Lisons au nom de Jésus. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses. Et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des êtres humains. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Je vais prendre l'autre version. Il est écrit: aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu de toute éternité. Donc, il était là face à face avec Dieu. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. La vie résidait en lui. Cette vie est la lumière de tous les genres humains. Alléluia. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est le premier outil de notre transformation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi la parole de Dieu, c'est le premier outil de notre transformation? Ici, Jean nous fait comprendre que la parole de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Et Jésus est l'expression de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'expression de Dieu, ça veut dire le logos de Dieu. Le logos, ça veut dire le verbe. Alléluia. Amen. Si nous voulons être transformés, nous devons d'abord faire asseoir la parole de Dieu en nous. Asseoir la parole de Dieu, c'est-à-dire que Christ soit assis en nous. Parce que c'est lui l'expression de Dieu. L'expression de Dieu veut dire quoi? De même que nos paroles expriment nos pensées. Ainsi Jésus-Christ exprime les pensées de Dieu. Jésus est la nature de Dieu. Il est l'expression de la nature de Dieu. L'objectif de notre transformation, c'est de devenir comme Jésus. Alors j'ai une question à poser à quelqu'un ce matin. Comment tu veux devenir comme la parole sans la parole? Alléluia. Amen. L'objectif, c'est de devenir comme Jésus. Je réitère ma question. Comment tu veux faire pour devenir comme la parole, mais sans la parole? Impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole doit habiter en nous. Dans le livre de Jean, toujours le chapitre 8. Jésus dit ceci aux Juifs qui étaient autour de lui. Il leur dit: ceux en qui ma parole demeure et qui demeurent dans ma parole, ce sont eux qui sont réellement mes disciples. J'aime cette expression de Jésus a dit: ce sont vraiment, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement vraiment mes disciples. Je vais le lire rapidement. Jean chapitre 8, le verset 31. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui: si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Je vais poser la question encore à quelqu'un. Pourquoi Jésus-Christ a mentionné vraiment? Il voulait dire quoi aux Juifs? Ce ne sont pas toutes les personnes qui me suivent qui sont mes disciples. La preuve, Judas Iscariote était là. Il tenait la bourse, c'était le caissier. Mais il n'était pas disciple. C'est ce que Jésus voulait dire. La personne qui est mon disciple, ce n'est pas celui qui me suit derrière. C'est celui qui est dans ma parole. C'est pourquoi il a utilisé l'expression vraiment, ou réellement, ou assurément, sans contredit. On peut tous suivre Jésus, mais n'être disciple de Jésus que celui qui est dans la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu utilise la parole pour nous transformer. Il l'a montré plusieurs fois. Sans la parole, sans Jésus, il n'y a pas de transformation. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit ceci dans Genèse, le chapitre 1, le verset 1, que la terre était comment? Informe vide. Alors qu'est-ce qui a transformé la terre? La parole. J'aimerais dire à quelqu'un par là: ne regarde pas comment tu te trouves maintenant. Alléluia. Amen. Comment tu te trouves maintenant importe peu pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, il est en train de regarder demain. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple que j'ai donné ce matin. Quand vous touchez les sables, vous voyez quoi? Quand vous marchez sur les sables, vous voyez quoi? Vous voyez quoi? La plupart d'entre nous, on ne voit que le sable.
Mais est-ce que vous savez que pendant que vous marchez sur les sables, là, c'est sur les vitres, les verres que vous marchez. Les verres qu'on utilise chez nous à la maison pour boire de l'eau. On les fabrique à partir du sable. Cela veut dire le même sable sur lequel nous marchons. Les fabricants des composants électroniques. Quand toi tu vois les sables, lui il voit la diode. La diode fait de matière silicone fabriquée à partir du sable. Alléluia. Amen. La vision que Dieu a de ta vie ne dépend pas de toi. La transformation dépend à 75% de Dieu. Parce que quand Jérémie regardait le potier, 75% du travail, c'est le potier qui le fait. La forme, modélage, abattage, tout ceci. Mais le 25% c'est la partie de l'argile. Cela veut dire quoi? Il faut chercher l'argile qui est malléable. Si nous voulons être transformés, soyons malléables. Notre 25% c'est à ce côté-là. Être malléable. Parce que je vais revenir pour redire à quelqu'un ceci. Ce n'est pas tous les sables qu'on utilise pour faire des... du verre. C'est vrai, c'est les sables. Tous, c'est les sables. Mais il y a ce qu'on appelle les sables fins. C'est ce qu'on utilise beaucoup plus. On doit prendre le sable. On va les chauffer à plus de 2000, 3000 degrés Celsius. Ça va devenir liquide. On va mettre des composants, d'autres trucs pour enlever l'impureté. On le met dans le moule. On va les chauffer encore, on lui donne la forme. Et ça devient transparent. Ça devient un verre qu'on utilise pour boire de l'eau. La vision qu'a celui qui fait les verres et celui qui utilise les verres, c'est pas la même. Il y a quel mot suivant? Quand tu regardes les sables, tu ne vois que les sables. Vous savez, dans d'autres pays, la bouse des vaches. La bouse. Les excréments des vaches. Quand les vaches font leurs excréments là, c'est vendu. Est-ce que vous savez? Je faisais rire les bien-aimés pendant qu'on partait. On avait sorti avec les N3 et N2 pour aller à la montagne pour la retraite pour prier. Je leur dis, quand je vois la bouse des vaches là, moi j'ai des calculs dans ma tête. Un jour je viendrai avec des sacs comme ça, je mets dedans. Mais pendant que tout le monde est en train de fuir parce que ça sent mauvais. Mais il y a une personne qui a une vision sur ça. C'est pourquoi Dieu veut nous transformer par sa parole. La terre était informe et vide. Il se peut que maintenant tu sois informe et vide. Il n'y a pas de problème. Reste dans la parole. Investis-toi en Christ. Demeure en Jésus-Christ. La Bible dit, c'est par sa parole que la terre a pris la forme. Est-ce qu'il est incapable de le dire pour toi, pour que tu prennes la forme? Si il est celui qui appelle à la vie ce qui n'existe pas. Alléluia. Amen. Alors pourquoi la parole c'est un outil de transformation? Parce que la parole a deux grandes facettes. La première facette de la parole, c'est ce que nous venons de voir, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la première facette et la facette la plus importante de la parole. Personne ne sera transformé sans Jésus. La transformation sans Jésus-Christ est illusion. Je dirais même mieux, c'est utopique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu utilise Jésus pour nous transformer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la deuxième facette de la parole, c'est que la parole est comme un marteau. Alléluia. Amen. Nous allons revenir dans Jérémie. Jérémie, nous prenons le chapitre 23, le verset 29.
Il est écrit. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est le Seigneur qui déclare. Il pose la question. Il dit, est-ce que ma parole n'est pas comme un feu? Est-ce qu'elle n'est pas comme un marteau pour casser les rochers? Alléluia. Amen. Bien aimé, apprenons à enseigner, à prêcher fidèlement Jésus. Les gens ne vont pas venir à Jésus d'abord à cause de notre expérience, pas à cause de notre la face, tellement qu'on parle beaucoup, on sait bien parler. C'est Jésus qui est cette parole là qui est le marteau qui peut briser l'incrédulité. Ici j'aimerais parler à un évangéliste et un évangélisateur. Bon, quelqu'un va dire c'est quoi la différence. Alléluia. Amen. L'essentiel ici pour nous, on parle de d'évangéliser. Ça, on garde ça pour plus tard. Un évangéliste, un évangélisateur doit savoir une chose. Quand je vais pour gagner l'examen à Christ, je présente fidèlement Jésus. Quelle que soit l'incrédulité de la personne, son incrédulité ne doit pas m'influencer. Alléluia. Parce que la parole est comme un marteau. Quelle que soit la dureté de son cœur, il ne pourra résister. Alléluia. Amen. Je vais poser une question. Quand vous regardez ces murs, vous voyez un bâtiment, un mur qui a été construit. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que ces murs, la construction de ces murs n'a pas commencé quand on a commencé à poser les briques. La construction de ces murs a commencé depuis le jour où on était parti chercher les sables. La construction de ces bâtiments a commencé depuis là où on a cassé les rochers pour faire des caillasses. Peut-être la personne qui cassait les rochers là, dans la carrière, il ne savait pas, ces rochers là vont partir devenir quoi? Seuls les personnes qui sont parties acheter avaient la vision de ce qu'ils attendaient. Alléluia. Amen. Mais si on te positionne devant le rocher en question, est-ce que tu peux penser qu'un jour ces rochers là peuvent devenir le bâtiment de ces ménages? Peut-être que tu vas dire c'est dur, faut casser encore. En fait, le rocher peut te faire peur. Mais en réalité, Dieu se sert de ces rochers-là pour faire quelque chose. Alors, comme il veut s'en servir, seul lui peut les casser par la parole. La parole de Dieu, c'est un marteau. Il a pour but de nous briser. On ne peut pas être transformé sans le brisement. Dieu ne fait pas dans la rénovation. Quand Jésus arrive dans ta vie, il ne va pas commencer à mettre la peinture, enlever les toiles d'araignée pour que tu sois beau. Il faut casser. Le brisement d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La parole de Dieu est là pour nous briser. Ce n'est pas pour nous faire plaisir. La difficulté aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus ces genres de chrétiens qui aiment beaucoup plus les massages que le message. On aime ce qui va nous masser, qui nous fait du bien quand on parle. On aime le massage. La parole de Dieu n'est pas là d'abord pour nous masser. C'est d'abord le message pour nous briser. Christ attend de nous que nous puissions avoir la stature parfaite en lui qui est Jésus. Ça commence par le brisement. Ne soyons pas de ceux qui aiment le massage plus que le message. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu dans sa bonté, dans sa souveraineté, il sait tellement que l'homme aime le massage. C'est pourquoi quand il nous donne une promesse, il ne nous dit pas comment ça va se faire. C'est ça aussi la transformation. Dans le livre de Genèse, le chapitre 15,
Dieu donne une promesse à Abraham. À cette époque, il était encore Abraham. Il lui donne une promesse pour lui dire que tu seras ceci, cela. Le monsieur, il avait 75 ans. Dieu ne lui a pas dit ce qui va se passer entre temps. La promesse vient s'accomplir à 100 ans. Il s'est passé 25 ans. Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'est pas là pour nous, pour satisfaire notre corps. Le but de Dieu, c'est de bâtir notre esprit. Et pour que ton esprit soit bâti, il faut passer par des entraînements consistants. Il y a militaire et militaire. Bien aimé. Si on nous présente un militaire américain ici, il n'a pas encore tiré une balle. Mais quand tu le vois seulement, toi tu sais que celui-là, il n'est pas comme le militaire des autres pays là-bas, je ne vais pas citer ici. Parce que si vous regardez même chez eux-mêmes, chez eux, ils ont pas un seul type de trucs, ils ont beaucoup de corps dans l'armée. Il y a de ceux qui sont spécialisés seulement pour aller faire des missions où vous, donc c'est pas officiel. Quand ils sont là, personne ne sait qu'ils sont là. Et puis ces corps-là ne viennent pas beaucoup, ils viennent seulement à 5. Ils sont là pour des exfiltrations dans des endroits bizarres. Les gars, ils peuvent te taper 12 km à la nage. Avec son sac à dos qui a ses armes. Le jour où j'ai regardé un documentaire, on m'a fait comprendre que les militaires américains qu'on voit là, leur tenue, leur arme, ça pèse 20 kilos. Tout ce qu'ils portent sur eux pèse 20 kilos. Puisse son poids à lui-même. Ça dénote de quel genre de formation ces personnes-là ont eu. Alléluia. Amen. C'est pas comme c'est qui va prendre la bière ici au coin là. Il faut une certaine discipline. Alléluia. Amen. Et cette discipline-là, nous l'avons dans la parole de Dieu qui vient comme un marteau. Quand tu t'engages dans l'armée, la première des choses, il faut d'abord oublier tout ce que tu étais avant le jour de ton engagement. Ta famille, ce sont les personnes que tu trouves. Parce que le but, c'est de te formater. Et quand la parole de Dieu vient nous briser, c'est pour nous formater en fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir une chose. Dieu lui-même, il donne beaucoup plus d'importance à la parole de Dieu qu'à sa renommée. Est-ce que vous le savez? Dieu donne l'importance plus à la parole de Dieu qu'à sa propre gloire. Il est écrit dans le livre de Psaumes, le chapitre 138. Le verset 2, la deuxième partie, dans la version de Darby, il explique très bien où la Bible a noté. Darby dit ceci, car tu as exalté ta parole au-dessus de ton nom. La Bible a noté, dit, car tu as magnifié ta parole au-dessus de toute ta renommée. Lui, second, il dit, car ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Cela veut dire, si Dieu est renommé, ce n'est pas à cause de sa renommée, c'est la parole qui fait de lui. Renommée. C'est la parole de Dieu qui fait de la gloire de Dieu ce que la gloire de Dieu est. Donc, entre la gloire de Dieu et la parole est au-dessus. C'est pourquoi Dieu ne ment jamais. Et il ne revient pas sur sa parole. Parce que quand il a lâché sa parole, il n'a plus de moyen de revenir. C'est lui-même qui avait dit que toute âme qui pêche mourra. Mais il s'est rendu compte que les hommes sont en train de pêcher, ils sont en train de mourir. Ça lui a fait pitié. Mais il était piégé. Parce que c'est lui-même qui avait dit. Il ne pouvait plus dire à partir d'aujourd'hui, bon, toute âme qui pêche ne mourra plus. Jamais. Il était obligé de chercher un autre moyen. Sans pour autant révoquer cette parole. Il a cherché une substitution.
substitution. Il a dit à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un veut être pardonné pour ne pas mourir, il doit apporter un sacrifice. Le sacrifice là mourra à sa place. Parce que tout homme doit toujours mourir. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu comme le sacrifice parfait. Pour que cette parole soit accomplie. Pour preuve. Que Dieu donne plus d'importance à sa parole. Le chapitre le plus long de la Bible. Ce chapitre-là a 176 versets. Ça ne parle de rien d'autre que la parole. Psaume 119. C'est tous les chapitres du début jusqu'à la fin, ça ne parle que de la parole. On voit combien Dieu donne de l'importance à sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième point. Le Saint-Esprit. Dans le livre de Jean, le chapitre 16, le verset 7 à 11. La Bible nous dit ceci. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Comme ça, je vous enverrai l'Esprit. Lui, quand il arrivera, il vous convaincra. Le monde, il convaincra le monde au sujet des péchés. Il va révéler la justice. Il va démontrer la victoire, c'est-à-dire les jugements de Jésus sur Satan. Alléluia. Amen. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi le Saint-Esprit, c'est un outil de notre transformation? Parce que la parole de Dieu qui est Jésus en nous est certifiée par l'Esprit. Romains 8, chapitre 8, verset 16, la Bible dit, l'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Sans les témoignages de l'Esprit, la parole n'est que le Verbe. Alléluia. Amen. Sans les témoignages de l'Esprit, parole n'est que le Verbe. Parole ne marche pas sans esprit. Ni esprit sans parole. L'Esprit Saint, c'est lui qui vient certifier la transformation en nous. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, c'est le sceau de la certification de Dieu. C'est comme le sceau, on vient dire ce livre-là m'appartient. Ça m'appartient. Si je le dis parce qu'à l'intérieur, vous verrez, il y a mon nom qui est écrit là. C'est comme un sceau. C'est comme si j'avais mis un cachet. Donc tu peux pour toi prendre. Mais tant que ce cachet-là restera, tant que je ne te le donne pas, c'est à moi. Donc qu'est-ce qui certifie que nous appartenons à Dieu? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a une grande place, une importance énorme pour Dieu. C'est pourquoi tout péché que l'homme pourra commettre lui sera pardonné. Sauf le péché contre l'Esprit. Sauf blasphémie. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, il est là avec trois missions. Dans le but de nous transformer, il est investi de trois missions. La première mission, c'est de convaincre le monde de ses péchés et de l'appeler à changer d'attitude. Ça veut dire, nous qui voulons être transformés, devons retenir, sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas rémission du péché. Parce que la rémission du péché, d'abord, il faut reconnaître ses péchés. Et c'est l'Esprit qui nous convainc que ici là on avait péché. Parce que la chair peut aussi te dire non, tu n'as rien fait de mal. Ça c'est le combat de tous les jours. La chair va venir te rassurer. En tout cas tu n'as rien fait de mal. Tout le monde le fait. Mais tu sens en toi qu'il y a un poids, il y a quelque chose qui te dit. L'Esprit te dit en tout cas papa, ici là n'écoute pas ta chair. C'est là la mission première de l'Esprit. Convaincre le monde au sujet du péché afin de changer d'attitude. Pas seulement convaincre, mais dans le but de changer d'attitude. Celui qui est convaincu mais qui n'est pas changé, en réalité, il a été convaincu pour la beauté des yeux des autres. Pour que les autres disent seulement oui, d'accord, devant les autres. Oh, c'est bon. Mais si ça ne change pas, ça ne sert à rien.
La deuxième mission du Saint-Esprit, c'est révéler la justice de Dieu à tous les croyants, puisque Christ n'est plus présent sur la terre. Alléluia. Amen. Jésus n'étant plus présent sur la terre, c'est l'Esprit de Dieu qui vient révéler la justice de Dieu en nous. Celui qui n'a pas atteint, qui n'a pas compris cette dimension de la justice de Dieu, ne peut arriver à la transformation. Alléluia. Amen. Et la troisième mission de l'Esprit, ce n'est pas que nous transformer afin de nous convaincre du péché et la justice, mais il vient aussi démontrer la victoire de Jésus sur Satan. Ceux qui sont conduits par l'esprit ont l'esprit supérieur. La Bible dit ceci: Daniel avait l'esprit supérieur. Cela veut dire que tout le monde pouvait avoir les esprits, mais l'esprit de Daniel était supérieur. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous guide dans la vérité relative à Christ. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ça se passe patiemment. Patiemment, il nous apprend aussi à discerner entre le bien et le mal. Au fur et à mesure que nous nous attachons à Christ, à lui, nous commençons à discerner ce qui doit être fait et non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le troisième outil, on va finir par là, l'homme de Dieu. Il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué que tous les points qu'on est en train de citer sont liés. C'est comme une arborescence. Le premier outil, c'est la parole qui est Christ. Cette parole est certifiée par l'esprit. Et c'est cet esprit qui pousse les hommes. Alléluia. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Dans les livres de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11 à 13, nous allons lire. Nous allons lire. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Alléluia. La Bible dit ceci: que pour nous, les uns ont été donnés comme prophètes, d'autres comme apôtres, d'autres comme évangélistes, d'autres comme bergers, pasteurs, et d'autres comme enseignants ou docteurs. Mais si vous lisez dans les passages là, vous verrez que s'il y a un but pour lequel ces personnes là ont été données, pour le perfectionnement des saints, en vue d'atteindre la maturité de l'adulte. On ne peut parler de la maturité que quand il y a une transformation. Imaginez-vous un enfant qui, depuis l'âge de 1 mois jusqu'à 5 ans, il a la même taille. Même taille depuis 1 mois jusqu'à 5 ans. C'est normal, non? Alléluia. Amen. Donc le but, c'est d'arriver à la maturité. Alors ce qu'il faut noter ici, que l'homme de Dieu, il n'a pas reçu un don. Alléluia. Amen. Il n'a pas, je vais le dire mieux, l'homme de Dieu n'a pas seulement reçu un don. Pour nous, il ne vient pas avec les dons qu'il a reçus. Mais il est pour nous un don. Les dons ici, ce n'est pas le ministère qu'il exerce. Le don, c'est lui-même le ministre. Je ne vous ai pas menti, c'est écrit dans votre Bible. On dit ils nous ont été donnés. Donc ils sont des dons. L'homme de Dieu est pour nous un don. Quand on te fait un don, qu'est-ce que tu dis? Combien de personnes ont dit merci pour le don qu'on a reçu ici à Sémélène ce matin? Il y a 2 jours, il y a 1 semaine, il y a 1 mois. De plus en plus les mains s'élèvent doucement. À un jour, il y avait seulement, il y avait encore 3 personnes. Il y avait une seule personne. À 1 semaine, ça commence à monter. Ça veut dire que ça fait longtemps que tu as prié pour le pasteur.
Si je remonte il y a une année, tout le monde va lever la main. Donc, cela veut dire qu'il y a ces personnes là qui ne disent merci aux dons qu'on a reçus. Il y a une fois par an. Surtout les jours, vous savez, non, ces derniers temps, les pasteurs ne se sentent pas bien. Ah, là, c'est l'opportunité de dire, Seigneur, merci pour ton serviteur. Alléluia. Amen. Ils sont des dons pour notre transformation. Alors nous devons être civilisés. Si tu donnes quelque chose à un enfant qui ne te dit pas merci, tu vas te fâcher. Mais nous-mêmes devant Dieu, on est des inciviques. On n'arrive même pas à dire merci pour le don que nous avons reçu. Mais nous devons être fiers. Nous devons être fiers d'avoir reçu ce don que l'homme de Dieu que Dieu nous a donné ici. Et comme la Bible dit, c'est pour notre perfectionnement et arriver à maturité. Il fait de son mieux pour que nous puissions aller jusqu'à la maturité. Ce n'est pas faute de formation et d'enseignement. Il y en a. Mais souvent nous les négligeons. Pourquoi nous négligeons ces enseignements, ces formations? Parce que nous n'avons pas déjà mesuré la grâce que nous avons réussi d'avoir ces dons. Quand vous n'aimez pas une personne, vous ne considérerez pas tout ce qui sort de lui. La première étape, c'est commencer d'abord par aimer la personne, être reconnaissant de la voir. Il y a même des maris, des femmes qui n'ont jamais même dit merci à Dieu pour avoir un mari. Même bon, le dire peut-être tu le dis en cachette, mais même le dire à lui. Vous savez, de temps en temps, c'est fortifiant. Que quelqu'un vous dise, en tout cas, je suis béni de t'avoir. Ça réconforte. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, dans l'homme de Dieu, il faut savoir une chose. Dans le livre de 2 Timothée, les chapitres 2, le verset 1 à 2. Paul donne une recommandation à son fils Timothée. Ce que tu as entendu de moi, ce que tu as vu de moi, enseigne-le aux autres. Ici, Paul voulait dire quoi? Il voulait dire à Timothée, tu m'as imité. Alors laisse-toi aussi imiter par les autres. Cela veut dire, Dieu nous a donné un homme. On doit être fier de l'imiter. Come on. Alléluia. Amen. Ça doit être une fierté. Tout enfant, il est fier d'imiter son père. Tout enfant est fier d'imiter son père. Vous savez, pour tout enfant, son papa, c'est le super héros, le plus fort du monde. Ton enfant te dira, même si tu dis, même Goldberg vient ici, mon papa est là. Même si John Cena arrive, mon papa est là. Mais il ne regarde même pas la taille de son père. Il ne sait même pas dans quel problème il est en train de mettre son père. Mais pour lui, son super-héros, lui, c'est son père. Qui est ton super-héros? Celui que tu regardes sur YouTube. C'est pas mauvais. Mais c'est pas l'idéal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons fiers d'imiter les personnes que Dieu place devant nous. Dans 1 Corinthiens 11:1, il est dit expressément. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis pour Christ. En réalité, ce n'était pas une demande. C'est conjugué à l'impératif. C'était un ordre. C'est pas une demande. Je ne suis pas en train de vous demander d'imiter le pasteur. Je ne suis pas en train de nous dire, de nous demander. Non, c'est un ordre. C'est un ordre qui nous est donné. Comme je disais le matin au lendemain du premier culte, quand Dieu te donne un don de l'homme de Dieu, il te dit quoi faire.
Tu n'as plus le droit d'aller. Non, je vais consulter l'esprit, que l'esprit me dise. Je ne suis pas convaincu. Si c'est le cas, c'est-à-dire il y a deux esprits. Alléluia. Amen. Comment Dieu peut donner des instructions à la personne à qui il a donné la vision? Et la personne à qui Dieu, qui a reçu la vision, te donne des instructions? Toi qui dois travailler sous la vision, tu vas encore aller demander à Dieu pour qu'il te dise si ce qu'il a dit à celui qui l'a donné la vision était vrai. Là, tu veux dire deux choses. La première des choses, c'est que tu ne crois pas en son esprit. Cela veut dire que ce qu'il vient te dire là, tu n'es pas convaincu que ça vient de Dieu. La deuxième chose, c'est que tu ne crois pas en son ministère. Et cela veut dire que tu es seulement là pour soit partir après, ou tu as des objectifs, mais c'est un agenda caché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que c'est pas cette partie, ça peut faire mal, mais c'est ça. Alléluia. Amen. C'est la vérité, hein? La Bible dit dans le Proverbe 27, le verset 17, c'est le fer qui aiguise le fer. Quand on commence à aiguiser le fer, on a un autre qui aiguise l'autre. Le fer qui aiguise n'a pas le même poids que le fer qui est aiguisé. N'oublions pas cela. On peut tous être fer, mais le fer qui existe aiguise a une certaine consistance que celui qui est aiguisé n'a pas. Chez les forgerons, il y a un outil qu'on appelle enclume. C'est un morceau de fer qui est très lourd et grand. C'est sur l'enclume que les forgerons aiguisent son épée. Mais pour que l'épée ou le couteau soit bien aiguisé, il faut que le poids du marteau soit supérieur à l'épée. Ce n'est pas parce que nous sommes tous fer que nous avons le même poids. Ce n'est pas parce que nous prêchons tous que le pasteur est devenu mon collègue. Ce n'est pas parce que toi aussi tu as reçu une vision que ton coordonnateur est devenu maintenant ton collègue. N'oublions pas le respect qu'on a à l'homme de Dieu. On doit avoir la même proportion du respect. Peut-être un peu, à des proportions un peu équilibrées. Mais en quelque sorte, on doit avoir plus ou moins cette proportion de respect là pour les personnes qu'il a établies. Pourquoi? Cela veut dire que les personnes qu'il a établies, ce sont ses représentants. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la ville de Pointe-Noire, monsieur le maire, il est le représentant du gouvernement. Le préfet, il est le représentant du président. C'est ça seulement la différence. Peut-être beaucoup se sont posé des questions. Pourquoi avoir un maire et puis un préfet? Le préfet, il est le représentant du président. Le maire, il représente le gouvernement. Pourquoi? Parce que le président, c'est une institution. Le gouvernement aussi, c'est une autre institution. Mais cette institution qui est gouvernement dépend du président. On parle du pouvoir exécutif. Donc, hormis le fait que le gouvernement en soi est représenté par le maire, il faut qu'il y ait aussi une autorité qui représente le président. S'il y avait une inauguration, un truc que le président devait arriver n'est pas là, on ne va pas d'abord appeler le maire, c'est le préfet d'abord. Quand le préfet arrive, considérez-vous que c'est le président qui est là. Alléluia. Amen. Respectons l'homme de Dieu. C'est en cela, quand on reconnaît la consistance qu'on a, c'est pas la même. On doit avoir le respect, la révérence. Alléluia. Parce qu'ils nous sont donnés comme des dons. Quand Dieu nous a donné l'homme de Dieu, il n'a pas demandé notre avis.
Et personne ici avait prié pour avoir cet homme. On ne prie jamais pour avoir un homme de Dieu. C'est Dieu qui, connaissant notre destinée, il sait qu'à tel endroit, c'est là que tu vas aller jusqu'à maturité. Et à ce même endroit, il pose quelqu'un qui va t'aider dans ce domaine-là. Lui, il sera là pour t'aiguiser. De temps en temps, les Makondo peuvent descendre. Ça peut descendre. Ça ne fait pas la joie. Ça fait rougir les yeux. Oui, mais c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Il y a un dernier point que j'aimerais qu'on puisse noter. Nous allons lire dans le livre de Genèse, on va finir par là. Genèse, le chapitre 14, les versets 17 au verset 20. Genèse 14, 10, 17 à 20. Il est écrit: Abram revient après sa victoire sur Kedor Laomer et sur le roi de ses alliés, le roi de Sodome vient à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek est roi de Salem, prêtre du Très-Haut. Il apporte du vin et du pain. J'aimerais souligner ceci. Melchisédek, il bénit Abraham en disant: le Dieu très haut a créé le ciel et la terre, qu'il bénisse Abraham. Chantons la louange du Dieu haut qui a livré tes ennemis à ton pouvoir. Abraham lui donne le dixième de tout ce qu'il a ramené de la guerre. Donc Abraham lui a donné son dîme. Sa dîme, excusez-moi. Et si nous regardons ici, ce que nous devons retenir, Melchisédek, il était le supérieur d'Abraham. Melchisédek représente le Dieu dans sa splendeur. Mais étant donné qu'il était venu comme un humain, il est venu comme le supérieur. Parce qu'il est écrit dans le livre de Hébreux, le chapitre 7:7. C'est sans contredit, l'inférieur est béni par le supérieur. Ne peut te bénir que celui qui est supérieur à toi. Mais regardez ce qui se passe. Pendant que Abraham a rencontré Melchisédek, Dieu n'a jamais encore parlé à Abraham l'histoire de sa transformation. Même son nom n'est pas encore transformé. Ici là, il n'y avait même aucun projet pour Abraham, n'avait aucun projet de sa transformation ou de sa postérité. Si vous regardez juste les chapitres qui viennent après, les chapitres 15, c'est là que dit, après sa rencontre avec Melchisédek, après la bénédiction qu'il a reçue de Melchisédek, c'est alors qu'il reçoit la promesse d'avoir une postérité. C'est pas un hasard. Ça veut dire, nous pouvons atteindre notre maximum. Nous ne pouvons atteindre notre potentiel que si nous passons que entre les mains de ceux chez qui Dieu a déposé notre bénédiction. Et c'est dans tous les domaines. Et en retour, Abraham n'a pas croisé les bras. La Bible dit qu'il a donné un dixième de tout ce qu'il a reçu. Mais à cette époque, Dieu n'avait même pas encore parlé de la dîme. Abraham a agi par révélation. La Bible nous dit toujours dans Hébreu que quand Abraham donnait cette dîme, Lévi aussi donnait la dîme parce qu'il était dans le ventre d'Abraham. C'est-à-dire les actions que nous posons auprès des hommes de Dieu, la façon dont nous reconnaissons leur supériorité, la façon dont nous reconnaissons leur grâce, ça va bénir aussi nos postérités qui vont arriver. Parce que tel que tu es là aujourd'hui, il faut le savoir, quand tu donnes la dîme, tes arrière-fils qui vont venir, ils sont dedans, ils sont en train de le donner en toi.
Alléluia. Amen. Notre loyauté envers l'homme de Dieu, ça parlera en faveur de nos enfants, de la postérité qui viendra. Il fallait que Melchisédek se présente à Abraham et qu'il le bénisse et qu'Abraham soit malléable, réceptif, pour que derrière les choses commencent à changer. En réalité, Melchisédek était comme un déclencheur. Dieu, quand il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va là où je te conduirai, il avait un objectif. Il savait ce qu'il devait faire. Mais Dieu a voulu d'abord qu'il passe par un déclencheur. Quelqu'un peut me dire, avant de venir à Semelen, Dieu m'avait déjà donné la vision. J'avais une vision que je passerai, je partirai dans les nations, je gagnerai les âmes pour Dieu. Une vision de Jésus sans Ananias. Tu n'as que des écailles dans les yeux. Saul de Tarse a croisé Jésus. Ananias n'était pas là. Il a vu Jésus. Alléluia. Amen. C'est le disciple qui n'a pas été avec Jésus physiquement. Il a eu la révélation de sa personne. Tout le monde pouvait écouter quand Jésus lui parlait, mais personne ne le voyait. Il n'y avait que lui. Lui ne faisait pas qu'écouter. Il a écouté et il a vu. Vous voyez la dimension dans laquelle il s'est trouvé. Mais il y a eu besoin d'un frère qui lui impose les mains pour que les écailles tombent. Quelle que soit la vision que tu as reçue, s'il n'y a pas, tu passes pas par l'école de Melchisédek. C'est lui qui va déclencher. L'école d'Ananias qui va imposer les mains pour que les écailles tombent. Tu vas aller dans l'endroit où il y a beaucoup de projets non accomplis. Vous savez c'est où? Le cimetière, c'est le seul endroit où il y a plusieurs projets non accomplis. Des projets, les visions étaient là. Mais il a manqué le déclencheur. Alléluia. Amen. Donnons du poids aux personnes ou à la personne que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Ça passe par là. Notre bénédiction passe par là. Je ne dis pas que notre Dieu n'est pas incapable de nous bénir par lui-même. Mais la relation verticale qu'on a avec Dieu passe par notre relation horizontale. La Bible dit ceci: comment tu peux aimer celui que tu ne vois pas si tu n'aimes pas celui que tu vois? Je pourrais les redire en ces termes. Comment tu peux croire en Dieu si tu ne crois pas en son serviteur? Josué n'était que serviteur de Moïse. Moïse était serviteur de Dieu. Josué n'était pas serviteur de Dieu tant que Moïse était là. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? J'aimerais inviter quelqu'un à faire cette petite prière. Nous allons prier que les seigneurs qui nous ont emmenés ici, dans l'école de son serviteur Sony Paka, que les seigneurs fassent que ce déclenchement puisse commencer et avoir lieu. Parce que nous avons reconnu aujourd'hui, nous avons su comment il faut s'y prendre. Peut-être que depuis longtemps nous étions avec lui, nous négligions peut-être des recommandations ou des enseignements parce qu'on n'avait pas encore compris. Alors qu'aujourd'hui le Seigneur nous a fait comprendre par sa parole, nous allons prier que le Seigneur nous pardonne si on a usé des négligences avant, et que cette fois-ci le Seigneur nous donne réellement à vivre ces déclenchements. Prions au nom de Jésus-Christ.